Bonjour, et voici un petit reportage sur le temple zen de Yuzo Nyuzenji. Et d'abord, au fait, mais pourquoi est-ce que les gens viennent au temple Yuzo Nyuzenji? Bonjour cher ami, pourquoi venez-vous au camp d'été, s'il vous plaît? Eh bien, très cher ami, je viens au camp d'été pour pratiquer zazen avec mes amis qui pratiquent zazen. Ah, super réponse. Voici l'entrée du temple. Le potager. La piscine. Le bâtiment du maître et sa voiture. L'accueil. Et le Bouddha. Le terrain de foot. Le réfectoire. Le dojo. La montagne violette, la rivière. Voici la cour des Shimaro, on voit aussi le réfectoire. Ici vous avez la grande prairie, la cloche et le dojo. Et le dortoir, bien sûr. À 5 mètres du sol, cabane magique. Ouais. À table. Il n'y a plus de café. Voici la vaisselle. La partie dure du zen. Les cuisines, la face cachée du temple. Là où il y a de la vis. Vous pouvez apprendre à coudre le rakusu avec des moines et des nonnes expérimentés. Trampoline. Dogen dit, il faut apprendre le demi-tour qui tourne votre lumière vers vous-même. C'est l'heure du zazen. Oui, c'est l'heure du zazen. Allons au zazen.
Et maintenant. Au revoir et restez bien. C'est le temple zen Yuzo Nyu Zenji.